Bonjour, Frédéric Renard. Voilà, je suis chocolatier depuis plus de 30 ans et je suis dirigeant de Cadeau et Chocolat. En 2007, nous avons créé cadeauetchocolat.com. J'étais pure player à l'époque, c'est-à-dire que j'étais uniquement sur la toile. Ma boutique, c'était le net. Le pure player, maintenant, a de moins en moins de place parce que les gens, ne sachant pas d'où ça vient, peuvent penser qu'on fait un peu du bricolage au fond d'un garage. Donc depuis 1 an et demi, on a créé un showroom en fait, afin de valoriser nos produits et de faire connaître nos produits et d'avoir un point physique. Ça rassure les clients sur le net et donc on a une clientèle qui est renforcée. Alors c'est une chocolaterie mais c'est une entreprise. Donc un community manager c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Facebook ne sert pas à vendre proprement dit, sert à donner une image. De plus en plus, on a une relation client via Facebook, parce que ce qui est important, c'est de faire participer les gens à ce qui se passe ici, sur le réseau. Nous, on fait beaucoup de petits ateliers enfants, on fait des ateliers adultes, après on les communique sur Facebook. Il y a des gens dans toute la France qui nous suivent et qui, quand ils viennent en vacances dans la région, ils se disent, tiens, on va passer à la chocolaterie parce qu'ils ont vu sur Facebook. Génial!